PDCI en Côte d'Ivoire, Guy Kahuè livre des secrets sur la candidature de Henri Conan Bedié. Voici les détails. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Qui pour porter les couleurs du PDCI-RDA au scrutin présidentiel de 2020, Maurice Kakou-Guy Kahuè et les siens semblent avoir trouvé la réponse à cette épineuse question à moins de 5 mois des prochaines échéances électorales. Nul doute que le candidat du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre prochain est bien Henri Conan Bedié. Après 86 ans, l'ancien chef de l'État ivoirien n'accepte plus la même fougue de sa jeunesse, mais son ambition politique reste intacte. Même s'il laisse toujours planer le doute sur sa participation à la présidentielle de 2020, ses partisans et autres militaires du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ne cachent plus leur rêve de reconquérir le fauteuil présidentiel avec M. Bedié comme chef de file 21 ans après le coup d'État militaire de 1999. Et la prochaine convention du parti prévue à cet effet pourrait aboutir à une plébiscite du SNIC de Douaokro, comme le dit président Maurice Kakou-Guy Kahuè, le secrétaire exécutif en chef du vieux parti, interrogé par la presse proche du PDCI. Dans nos habitudes au Parti démocrate de Côte d'Ivoire, depuis qu'il est créé, c'est son président qui est candidat. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer, à laisser entendre le numéro 2 du parti. Si le président Henri Conan Bedié dit qu'il va compétir, il est notre candidat. S'il dit le contraire, c'est là qu'on va chercher notre représentant. Pour l'instant, c'est lui notre candidat, a-t-il ajouté. Toutefois, précise l'ancien ministre de la Santé, le parti reste attaché à ses idéaux de démocratie. La convention du PDCI-RDA aura lieu. Celui qui veut être candidat sera candidat. Et puis, les militants qui sont choisis pour la convention vont aller choisir le candidat et puis vous allez voter, a-t-il clarifié.